live, question-réponse avec Jake. Avec Jake, chaque mercredi depuis bientôt 2 ans. En fait, depuis 2 ans, je pense. Donc, c'est ça. On est là, prêt, chaud, pour répondre à vos questions, supplémentation, nutrition, entraînement. Et n'oubliez surtout pas qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des bonnes questions. Sinon, y a-tu du nouveau chez Quantum, Jake? Écoute, les podcasts, quoi, le Quantum Podcast sur iTunes, vous pouvez aller voir ça. On a filmé épisode 20 ou 22 tantôt. Hein? 7 share, yes, gang, mais là, plus de share, let's go. Fait que vlog 20? Podcast 20, 22, 22. On sort dormi les podcasts. Ouais, on a fait 2 semaines. Mais je n'ai filmé 3 back à back tout à l'heure. Bang, bang, bang. Puis ça. Salut Seb, j'espère que tu vas bien. Ouais, c'est ça, les vlogs, toutes les 2 fois semaine, on sort des vlogs. Faut aller sur la page YouTube Quantum Training. Et pendant que vous posez vos questions, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de questions banales. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un blind taste d'Oméga 3 avec Jake, parce que notre Oméga 3 liquide va sortir bientôt chez Believe. Et Barbara et Matt vont nous joindre, bien sûr, dans les tests de saveur. Tu peux pas boire d'Oméga 3? Ah, tu peux pas te mettre dans le live. Fait que c'est ça, on va tester les Oméga 3 live pendant que vous posez vos questions. Bring it on. T'es prêt? Ben répondons aux comme, première et deuxième question, moi je vais rentrer. Mais... Alright, salut Darry, salut Mathieu, salut Seb. Prendre la caséine le soir. Donc Seb demande, est-ce que c'est bon de prendre la caséine le soir? Ce qui arrive avec la caséine, c'est que c'est de la protéine qui n'est pas super bien digérable par le corps. C'est pour ça qu'elle se digère lentement, qu'on dit que c'est une protéine à assimilation lente, c'est parce qu'elle ne se digère pas super bien. Donc, c'est très inflammatoire au niveau du type digestif et c'est pas optimal selon moi. Donc, j'irais plus avec une protéine de whey ou une protéine végétale ou whatever, puis avec une source de lipides qui va ralentir l'absorption de la protéine, fait que tu vas avoir un flot d'acides aminés constant dans ta nuit. En fait, tabarnouche, on est combien? Ben, on est... Ah, c'est parce qu'il y a plusieurs saveurs. Ben, on va faire 2 saveurs. J'en ai 4, mais les 2 autres, je les ai pas apportés. Parce que ça, c'est mon... Faut que je prenne une décision entre les deux. OK. Là, faut gang, on a choisi des oméga 3 live. C'est pas excitant, moi, ça m'excite complètement. Fait que je vous jure que Jake, il a aucune idée. Non, pas il sait même pas c'est quoi les saveurs. Mais ça me dérange pas que tu sais c'est quoi les saveurs. Non, non, mais les pas. Faut jouer c'est quoi le meilleur. OK. Faut dire c'est qui le meilleur. Fait que ça va être la première. Petit fond d'oméga 3, là. Ah, bon, hein? Besoin d'enzyme avec ça, mon nom. OK. Fait que Jake, tu prends cette voix-là. Barbara, tu prends ça. Matt, viens-t'en. Okay, tu n'as jamais goûté des oreilles. Ça me stresse parce qu'ils aiment pas, ça va paraître. C'est pas, okay. C'est pas du acting, là. Ils savent même pas c'est quoi ça. Ouais, je suis tellement confiant que je vous le fais live. Devant 83 personnes. Ta-ta-da. Très bon, pour vrai. C'est vrai que c'est bon. Vraiment bon. Ouais. C'est pas si Matt, il a jamais goûté des oméga 3, mais ça, c'est... Mais c'est quand même... Hein? Sérieux, c'est vraiment bon. C'est très, très solide. C'est un l'ananas. Live. Oui, c'est un ananas mangue. Des papilles gustatives de pro. Fort. Et celle-là pour le deuxième. Hey, elle pourrait... Sérieusement, il est excellent. Hein? On a travaillé ouais. Fort sur ce savoir-là. Ça fait comme 6 semaines qu'on est dans les flavor tests. OK. T'aimes mieux lui? Ouf. Non, j'aime mieux le premier, mais il est très bon aussi. C'est quoi ça va? Orange vanille. Orange, c'est pour ça que j'aime Pineapple mango, très très solide. Fait que... Je suis désinflammé. Tellement confiant du goût de notre Omega 3, je l'ai fait tester live devant 100 personnes. Gabriel demande 230 grammes de protéines, est-ce que ça semble trop? Ça dépend toujours de ton poids corporel, ça dépend de tes objectifs. Trop de protéines, ça peut être néfaste aussi, tu sais. 230, c'est pas trop, là. À part si tu pèses genre 100 livres, mais... Non, c'est bon, 230. Larry La Rochelle, salut les gars, j'ai un ami qui a fait du clenbutérol et il a eu de très bons résultats. Je voulais savoir c'est quoi exactement, merci. Si tu lis sur les effets secondaires du clenbutérol, le premier effet secondaire qui arrive le plus souvent, c'est mort subite. Fait que c'est un excellent produit si tu veux faire une crise de cœur. Ben, ça marche pour la perte de gras, c'est sûr, ça accélère ton système. C'est comme si tu mets un turbo dans ton char, tu mets le pied dans le fond, bien raide, tu vas shake in mind, tu vas faire de l'anxiété, tu vas mal dormir, mais tu vas perdre du gras. C'est vraiment merveilleux. Mais je déconseille ça à tout le monde, pour vrai, c'est la pire affaire sur la terre, le clan. Marie Costa, votre opinion sur le jeûne intermittent, excuse-moi. C'est parce qu'il n'y a pas d'accent dans le mot. Le jeûne, ça peut être un outil très intéressant. C'est comme n'importe quoi, c'est pas à faire nécessairement toujours. Le jeûne, une fois de temps en temps, c'est super bon pour régénérer
au niveau de l'intestin, l'autophagie, un paquet d'affaires. Donc, ça peut être super intéressant aussi de donner un break à ton système digestif, donner un break à tout ce qui est au niveau du foie, des reins. Super intéressant. Hugo Lapointe, comment savoir quels sont nos macros exactement? Bonne question, Hugo, mais il n'y a pas moyen de savoir au lieu de. À part d'essayer, puis de voir qu'est-ce qui marche mieux, puis de voir qu'est-ce qui marche pas mieux, qu'est-ce qui marche moins bien, puis. Il n'y a pas de « Ah, toi, t'es 6 pieds, 180, tu devrais manger telle affaire. » Ça dépend tellement de facteurs, là, j'aimerais ça te répondre, mais c'est de l'essai-erreur avec les clients. Puis, moi, je commence avec de base. Je commence souvent avec une alimentation très égale partout, puis après ça, j'ajuste les macros, comment la personne réagit. Fait que j'ai pas vraiment de réponse, c'est plate un peu. Mais c'est ça. Mélanie Duval, pour devenir plus lean, on commence par perdre du gras ou on favorise la prise de muscles? Ben en fait, ton entraînement devrait être en ligne pour gagner de la masse musculaire parce que ça va te permettre de perdre plus de gras. Puis ton alimentation devrait être en ligne pour perdre du gras. Donc, c'est bon. Ça, c'est Anne-Marie. On va faire des tests de saveur avec Anne-Marie live. Ça va être l'enfer. OK, Anne-Marie, tu vas goûter des Oméga 3 live. Hello. Est-ce que vous ennuyez des lives de moi et Anne-Marie? C'est tellement bon. Ça fait longtemps, mais. Ah, ben oui. On est dû, là. Non, pour vrai, c'est bon. Tu l'aimes? Ça goûte même pas le poisson. C'est ça fou, goûte hein? Rien du tout. Ça goûte juste le flavor. J'aime ça. Ok, deuxième. Guillaume demande, salut les boys, front foot elevated, split squat, je sens surtout les glutes, c'est moins les quads, truc. Ben Guillaume, assure-toi d'avancer ton genou le plus loin possible, pose dans ton talon. Tu veux que l'ischio et le mollet touchent ensemble au maximum, donc l'exercice qu'il demande, c'est un genre de lunge sur place, que tu avances le genou le plus loin possible. Tu poses dans ton talon, et faudrait voir comment tu le fais, Guillaume. Je sais pas si tu es sur Quantum Academy, Guillaume, si oui, envoie une vidéo dans le groupe privé, je vais te corriger ça. Donc, ceux qui veulent travailler avec nous en ligne, quantumacademy.com, c'est notre site de coaching. Donc, vous pouvez aller voir ça, il y a 7 jours d'essai gratuit. Jeff demande, est-ce que le magnésium acheté en pharmacie fait la job comparé à celle achetée au gym? Ben, ça dépend des marques, ça dépend des formes de magnésium. Mais, règle générale, à la pharmacie, souvent, ce qu'il va avoir, c'est du magnésium citrate ou du chlorure de magnésium, qui est un magnésium qui est très peu absorbable. Donc, tu vas le payer beaucoup moins cher, mais tu l'absorberas pas, donc le magnésium de chlorure, c'est excellent pour ceux qui ont des constipations parce que ça passe tout droit puis c'est vraiment pas absorbant. Caroline demande, intermittent fasting, oui ou non, risque de devenir molle. Mais l'intermittent fasting, ça devrait pas être, selon moi, ça devrait pas être utilisé tout le temps si ton but est ta composition corporelle. Ça devrait être utilisé peut-être une fois ou deux par semaine. Mais t'sais, règle générale, c'est que, exemple, tu fais du intermittent fasting, mais tu manges toutes tes calories dans le temps que ça le dit, exemple. Fait que, exemple, un 8-16, tu chaînes pendant 16 heures, puis tu manges pendant 8 heures. Ben, tu sais, si tu manges des calories en 8 heures, tu devrais pas avoir nécessairement de différence au niveau de ton gain de masse musculaire ou ton tonus musculaire, etc. Donc, pas de problème avec ça. Gabriel qui demande 230 grammes de protéines par jour. Est-ce trop ou pas assez en bulk? Ben, pour un gars de 185 livres, je sais pas ta composition corporelle, mais ça serait bon. Hugo, question training, on devrait-tu aller à l'échec musculaire ou se garder une rep ou deux prises de masse? Hugo, c'est une excellente question. Ça dépend vraiment du plan d'entraînement que tu fais présentement. Puis ça dépend de ta récupération, ça dépend d'un paquet de facteurs. Règle générale, c'est important d'avoir des répétitions à l'échec musculaire, mais pas toutes nécessairement. Donc... Mais Hugo, t'es sur l'académie, dis-moi quelle phase, je vais te dire. Mais règle générale, les phases d'accumulation, on a beaucoup de volume, on va aller plus à l'échec musculaire. Les phases d'intensification où on veut mettre de la charge, on va aller un petit peu moins à l'échec musculaire parce qu'on veut pas fatiguer le système nerveux. David demande, est-ce que un entraînement de style full body peut être bénéfique pour ectomorphes de type nerveux? C'est quoi votre point de vue là-dessus? Ça peut être très bon, mais c'est comme n'importe quoi. Les splits d'entraînement, faut que tu varies. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais un full body, ça peut être super intéressant. Par contre, si tu fais un full body, exemple, 8 fois semaine, c'est 8 fois semaine, 6 fois semaine ou 5 fois semaine, c'est beaucoup trop. Donc, un full body, dans mon livre à moi, ça devrait être fait pour l'hypertrophie, exemple, 3-4 fois semaine maximum. Donc, puis Hugo, tu dis phase 6, c'est quoi la phase 6? Rappelle-moi, s'il te plaît. Je me souviens plus c'est quoi. Votre opinion sur le véganisme et le végétarisme en termes de résultats sur la prise de masse musculaire et de force? Sa prise de masse plus sa force, c'est juste plus dur à atteindre tes résultats parce que tu as moins de choix au niveau de ton alimentation. Tu vas avoir un apport de glucides très élevé. Tu vas avoir à manger beaucoup de fibres, tu sais, beaucoup de légumineuses tout pour atteindre ça. Fait que pour ma part, je trouve que c'est pas de quoi qui est
qui est optimal, je trouve que ça va être un peu plus compliqué. Par contre, ça se fait très bien. Ok, j'ai une énigme. Par contre, c'est pas... Tu sais, si ce serait la meilleure chose, tous les meilleurs au monde en prise de masse, comme les bodybuilders pro, feraient ça. Donc, c'est pas la meilleure chose. Mais est-ce que ça se fait où? Et j'ai une énigme pour toi d'Anthony Campbell. Ah non! Puis elle m'implique en plus, j'adore ça. Si jamais mon standing curl est plus élevé que le front squat à Julien, est-ce que Phil Massicotte devrait s'entraîner plus souvent? C'est-tu qui est sale? La réponse est, ça dépend de la circonférence de tes mollets, Anthony. Ah, c'est exactement ce que je m'en allais dire. Parce que ce qui arrive, c'est que si on calcule la circonférence de ton bicep par rapport à ton mollet, ben ça donne le quart de la grosseur. Donc, on a un problème à ce niveau-là. On veut de la symétrie. Non, les questions de terreau, on n'en prend pas. L'autre jour, il m'avait dit qu'il oubliait dans ses poches des fois ses mollets. Donc, c'est ça, Tony. Émile, que pensez-vous des diètes basées sur le groupe sanguin? Je trouve que c'est peut-être une bonne chose. Je connais pas ça pour vrai. Je trouve que c'est un peu voir la vie à travers une paille. Tu sais, exactement ton groupe sanguin, à quel point ça va avoir un effet sur l'absorption de tes nutriments. J'ai de la misère à croire ça. Les meilleurs médecins fonctionnels, naturopathes au monde, n'utilisent pas nécessairement cette méthode-là. Fait que... Qu'est-ce que tu penses du training en fonction de tes neurotransmetteurs, admettons? Moi, je pense que c'est bon. Mais je pense que ce qui arrive, c'est que tes neurotransmetteurs jouent beaucoup dans ta journée, dans ta semaine. Mm. Et ce que je trouve, c'est que quand tu remplis ton questionnaire, ok, ouais, faut vraiment pas que tu mentes. Parce que des fois, ton ego parle, mais c'est pas toi réellement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Fait moi, c'est la précision du Beaverman Test qui me... C'est ça, fait que... Je suis d'accord avec toi. Fait que ça peut jouer avec ça, mais je l'ai fait pendant un bout, entraîner le monde selon un type, puis c'est pas nécessairement... J'ai pas vu vraiment des gros changements. Par contre, Christian Thibodeau, là, il y a du neurotyping qu'il appelle, qui est plus selon le profil psychologique que neurotransmetteur. Tu as plus deep un peu. Là. Exactement. Là, ça a un peu plus. Ça a plus d'ailleurs. J'ai pas fait le cours encore, puis je prévois le faire cette année. Mais j'avais parlé au téléphone pendant 2 heures, il m'avait expliqué son concept. J'aime mieux cette approche-là que le neurotransmetteur directement. Donc, admettons quelqu'un comme moi, là. Super ouais. Dominé en acétylcholine, ça donne quel genre de training? Mais c'est qu'en fait, selon Charles Pelkin, c'est lui qui venait avec ça, c'est que tu fais exemple, deux semaines à plein volume. Fait exemple, tu fais 4 séries, 4 séries. La troisième semaine, tu fais un déload, tu fais 2 séries, okay. Tu remontes après. Ou tu montes tranquillement puis tu redrop. Ça veut dire, exemple, tu fais 2 séries, 3 séries, 4 séries, 2 séries. Okay. Fait qu'il faut vraiment que tu aies des déloads très souvent, de pas trop t'entraîner à fond. Pas aller trop à l'échec musculaire. Moi, j'ai trop tendance à aller au bout. C'est ça, trop en faire. C'est ça, un acétylcholine, un groupe bois, selon la médecine chinoise. Mais moi. Ouais. Mais c'est intéressant. Tu sais, je l'utilise pas à 100%, mais j'utilise certains. Justement, les acétylcholines, ça, je fais tout le temps des déloads plus souvent. Puis ce qui arrive, c'est que des fois, je ne fais pas passer le test, puis le monde, je me rends compte son de même. Puis sûr, je ferais passer le test, ça serait des acétylcholines. Parce que je vois leur charge, 2 semaines, ça monte, paf, ça drop la 3e semaine. Ils se brûlent, leur poids, ils baissent, tu sais, fait que... Si vous voulez faire le test, Peppermint Test sur YouTube, sur Google, excusez-moi, vous avez trouvé le test. Mais l'affaire, c'est qu'il y a tellement de questions, même, qui sont comme, ah, t'es comme 50-50. Ouais, mais c'est ça, c'est, je suis enceinte ou je suis pas enceinte. Ça veut dire, il y a pas de blanc ou noir. C'est que si t'es pas sûr, c'est non, genre. Ouais. Fait que c'est ça qui est dur, c'est juste ça qui est... Mais pour l'interpréter, ça prend quelqu'un qui a fait des cours avec Charles Pelkin de neurotransmetteur ou neurotyping avec Christian Thibodeau. Maxime Gainan, salut gang, cuire de la whey dans une crêpe, est-ce que ça change la façon dont elle est assimilée ou la qualité des protéines? Pas de façon significative. Tu sais, tu perds peut-être, exemple, je sais pas, je dis un chiffre, 4 grammes de protéines. Oui, il y a une certaine dénaturation, je pense que c'est entre 20 et 30%, mais c'est en fonction de la température. Plutôt. C'est pas la grosse affaire. Est-ce que ça va faire la différence entre tu vas prendre vraiment beaucoup de masse ou t'en prendras pas? Non. Voilà. Marilyn de Gingras, je crois qu'en plus d'avoir un déséquilibre hormonal qui m'empêche de perdre mon gras borné, pourtant je suis un plan alimentaire à la lettre et je m'entraîne 5 fois semaine, beaucoup de musculation. Quelle serait la solution si ça ne suffit pas? Mais si tu as des problèmes hormonaux, va voir un naturopathe ou un médecin fonctionnel qui va t'aider avec ça. Investigue. Si tu as des problèmes de ça, va voir quelqu'un qui va t'aider. Si tu veux un bon naturopathe, Vincent Comtois, Mathieu Bouchard ou Danick Legault. Renato aussi, qui est au Gym H2 avec nous autres, il est super bon. Ouais, c'est ça. Hugo Poirier, faire suite à la question Quantum Academy tantôt. Quantum Academy, d'ailleurs, c'est notre site de coaching. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez aller voir.
La question étant, tu demandais c'était quoi la phase, c'est Blood Flow Restriction Training. Phase 6, c'est Blood Flow. Ouais, tu vas à l'échec musculaire, go. Mais exemple, tu as 5 séries d'un A, là, juste la dernière à l'échec. Puis les A, c'est toujours du recrutement, tu vas pas à l'échec. Les B, tu y vas à l'autre à fond. Tu veux recruter, puis après ça, aller fatiguer tes fibres musculaires. Dédé Moras, y a-t-il autre chose à manger à part du poulet et du poisson? Mais oui, mon Dieu. Tout ce qu'il y a déjà volé, nager, couru, t'es correct. Ça veut dire, tous les poissons, tous les fruits de mer, toutes les viandes sauvages, du bison, du chevreuil, du lorignal, du cheval. Du wapiti, du cerf rouge. La dinde. Quoi d'autre? L'autruche. Il y en a plein, man. Du sanglier. Va dans les épiceries un peu plus spécialisées, ils ont toutes sortes de viandes, super le fun. Moisson santé à Sainte-Thérèse, si t'es sur la rive nord. Chico Fit, la meilleure chose à faire pour un skinny fat, prise de masse. Ok. Moi, je trouve que ce qui marche mieux, c'est d'avoir une alimentation bas en carb pour quelques temps. Mettons un mois, puis après ça, tu remontes tes macros 33-33-33, ça veut dire isocalorique. Puis pas trop de carbs, mais pas trop de lipides, puis pas trop de protéines. T'sais, tout égal, je trouve que ça marche bien. Mais de commencer des fois un mois vraiment low carb, puis après ça remonter à 33, je trouve que ça va bien. Je suis complètement perdu dans la question, excusez-moi deux secondes. Dédé Moras, Jake, dans ton blog, tu parles que tu as un taux de ferritine élevé, car j'ai la même chose, et mon médecin m'a dit que plus tard, je pourrais avoir des problèmes foie, cœur, rein, et je me pose la question si je devrais prendre des suppléments non, à cause de non. ça. Mais non, mais c'est ça que je disais dans mon vlog. Va te donner du sang, Dédé, deux à trois fois par semaine. Trouve pourquoi t'as un trop haut taux de fer, tu sais. Moi, ce que je me suis rendu compte en passant les tests sanguins pendant tout en regardant, c'est... T'as dit deux à trois fois par semaine. Ah, deux à trois fois par année, excuse. Stock, là, deux à trois fois. Non, deux à trois fois par année. On se vide. Excusez. Là. Mais... Puis passe des tests sanguins, voir s'il n'y a pas des problèmes... whatever, mais si t'as jamais donné du sang, va en donner. Le taux de fer, la seule façon d'enlever le taux de fer, c'est de donner du sang. Puis en plus, ça va être bon pour les autres. Il en manque au bout du sang, il m'appelle à toutes les deux semaines si je veux donner du sang. Fait. Vas-y. Éric Vaillancourt, salut les gars, qu'est-ce que vous pensez qui cause les déchirures du pec que ça m'est arrivé il y a 3 ans? Sans change. Ce que j'ai vu, moi, c'est manque de récupération, trop mettre pesant sans avoir un warm-up optimal. Mais je pense aussi que quand on se blesse, il y a une raison en arrière de ça. Ça peut être postural, ça peut être émotionnel, ça peut être un paquet d'affaires. Donc, il n'y a pas rien qui cause. Si on le saurait, on le ferait pas. Fait que, on sait jamais qu'est-ce qui cause les blessures, on sait juste que ça arrive. Dale, Bérubé et Julien m'avaient promis un dry scoop challenge mémorable. On le veut en live. J'ai dit à Dale, parce que là, on fait des dry scoop challenges sur Instagram, c'est complètement ridicule, mais tout de même, c'est drôle. Là, j'ai dit que j'allais faire de la whip et une flavor. Hey, tout est drôle. Je suis game de l'essayer live, je m'en fous. Je vais passer la question à Jake, puis je m'en vais chercher un pot de whip. Check bien ça, Dale, reste pas loin, mon homme. Barbell, juge, je t'ai texté de quoi d'important. Cool, je le vois après. Simon Lajoie, c'est-tu vrai que les fameuses good serms sont rendues légales? C'est une zone grise. Ça n'a jamais été légal, ça n'a jamais été légal. C'est une zone grise. Qu'est-ce qui est de la vente et la consommation. Par contre, dans tout ce qui est les sports, c'est banni. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ça? C'est juste une question de temps avant que ça soit illégal. Ça, c'est 2 ans, c'est fait. Là. C'est sûr. Selon moi. J'ai le trapèze inférieur tout poigné. Quoi d'autre que... un high school mondial, tu sais bien ça. Sac, ok. On l'essaye. Vas-y, prochaine question, tant okay. que je me prépare ma main. Lisa demande, j'ai le trapèze inférieur tout poigné, c'est quoi d'autre que le foam roller qui pourrait m'aider? Donc, te faire masser, va avoir un bon masseau. Je suis stressé. Ok, gang, on va citer probablement quelque chose de hyper ridicule. Chico, il demande, pour un skinny fat, tu restes en maintenance ou tu vas en déficit calorique? J'irais en apport calorique plus élevé, même, Chico. C'est quoi les good SERMs? Les SERMs, c'est des Selective Androgen Receptor Modulator qui sont... That's a fucking good English, my friend. Écoute, t'as-tu vu quand j'ai... Ah non, t'as pas vu encore. J'ai fait mon interview avec Ben Pekoski, j'étais tellement stressé, je parlais comme un vrai con. Hein. Sérieux, j'étais tellement mauvais en anglais, tout le monde regarde ma gueule. Désolé, j'ai pas écouté. T'as pas écouté ce que j'ai dit? Non, j'ai écouté ce que t'as dit, mais j'ai pas écouté ton interview. Ben, il est pas sorti encore. Okay. les gouttes de SERM, c'est ça, c'est que c'est des produits qui sont anabolisants, qui sont androgènes, que je disais tantôt, c'est une zone grise, c'est pas légal, c'est pas illégal. Par contre, faut pas croire qu'il y a aucun side effect qui va arriver avec ça, il va en avoir éventuellement, mais ouais, c'est ça. Ouais, on l'essaye, pour vrai, comme je okay. pas, c'est gros, c'est même, celle-là. Là. Mais là, t'as-tu mis ta flavor? Ça, c'est une scoop de flavor, etc.
Tu mets ça, tu mets ta flavor dessus. Non, non, je mets la flavor, puis après ça, j'essaie la whey. Et non, ça rentre pas dans ma bouche, ce deal. Mais! Attends, on en a partout. On l'essaye. Ouais, c'est sûr. Moi, ce que j'ai peur, c'est que je crache à la. Tu veux-tu qu'on te fasse un story pour ton belly? Prêt. Ouais, Barnock. Ah ouais, 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 il est one shot. T'as même pas pris. T'as même pas pris le corps. Oh non. Bravo Julien. Julien qui a pas réussi le challenge. Mais c'est parce que l'affaire, c'est. N'importe qui réussit ça, qui m'envoie une vidéo, je t'envoie un pot d'eau gratis avec une serveur. C'est parce que je pense que ça prendrait une technique qu'il faudrait que tu, comme, le mettre de même pour que ça coule tranquillement. Parce que là, t'as fait ça, pis il a comme tombé en mouton, genre. Ça a pas marché. Prochaine question. On est où? Caroline Primo, vos meilleurs trucs pour perdre du gros au niveau du tricep? Je ne sais plus quoi faire. J'ai de très bons résultats pour les restes, mais les bras ne cotent pas. Ouais. Il y a beaucoup de questions de génétique là-dedans, mais pour vrai, t'sais, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est va voir quelqu'un qui va t'aider à ce niveau-là, un naturopathe, un entraîneur, whatever, qui peut t'aider. Surtout au niveau de nutrition hormonale, que tu vas pouvoir jouer avec ça. T'sais, androgène, estrogène, donc quelqu'un, quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Et Alexandre Leclerc sera notre dernière question. Salut les boys, j'aimerais savoir si les iso de Belive sont sans gluten et sans lactose. Merci pour répondre à ta question. Oui, sans lactose, sans gluten, sans colorant. C'est ça. Mais sans goût. On flavor. Merci, on vous aime.